Demande refusée par Jérusalem, le ministre norvégien des Affaires étrangères prévoyait une tournée au Proche-Orient, dont une étape en Israël. Le ministre des Affaires étrangères a proposé une rencontre avec le ministre israélien des Affaires étrangères Katz. Nous comprenons que le ministre Katz n'est pas prêt pour cette rencontre maintenant. Oslo affirme rechercher le dialogue avec Jérusalem. Nous continuerons à dialoguer avec d'autres interlocuteurs en Israël et en Palestine, car tous les points de vue sur la situation dramatique actuelle doivent être entendus. Fin mai dernier, la Norvège a officiellement reconnu un État palestinien. Parallèlement, le gouvernement de Jonas Gahr Støre se refuse à inscrire le Hamas sur la liste de ses organisations terroristes, ce qui a provoqué une bronca en Israël. Plus récemment, d'autres tensions ont émergé. Dernier exemple en date, la semaine dernière, lors d'un sommet de l'OTAN. Le chef de la diplomatie norvégienne est allé voir son homologue israélien. Des témoins de la scène ont rapporté ces mots. Nous avons de nombreuses questions à discuter. Ce à quoi Israël Katz aurait répondu. Vous nous avez également fait beaucoup de choses. L'ambassadeur d'Israël en Norvège n'a pas encore regagné son poste après avoir été rappelé pour consultation sur fond de reconnaissance d'un État palestinien. Des sources proches du dossier indiquent qu'il n'est pas prévu de le faire revenir.